Je te conseille de ne pas rater ces derniers temps. Je vais t'expliquer comment tu peux réussir une année par la consécration, par la dédicace, par ce que tu peux faire avec. Consacrer une année. On veut dire à Dieu, fais alliance avec nous cette année. L'alliance de réussite. L'alliance de succès. L'alliance de promotion. L'alliance de percée. L'alliance de nouvelles dimensions. Consacrer une année. Nous voulons dire Seigneur, rien que ta volonté s'impose dans cette année. Celui qui consacre son année veut dire à Dieu, je déclare que je suis. Nous voulons dire à Dieu, nous ne voulons pas céder ne serait-ce que une petite portion d'espace à Satan. Mais nous voulons dire que cette année soit remplie par ta présence. Nous voulons cette année, Seigneur Dieu, partout où on doit être, que tu y sois aussi. Que cette année soit comprimée par ta présence. Qu'il n'y ait pas de fuite de ta présence, mais que l'année soit remplie de ta présence. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je ne vois personne ici à qui Dieu a déjà prévu un malheur pour cette année. Jamais. Mais je vois des gens que Dieu attend à ce qu'ils montent pour qu'il les révèle ce qu'il attend d'eux cette nouvelle année. Pourquoi on dit nouvelle année? C'est-à-dire elle n'a jamais existé. On vient l'inaugurer. Or dédié veut dire inaugurer. Inaugurer. Vous savez que cette nouvelle année ici, même Satan ne sait pas la maîtriser parce que c'est une nouvelle année. Il n'y a que Dieu qui la maîtrise. Il n'y a que Dieu qui la connaît. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dédier une année, c'est faire un double travail. Tu ne peux pas dédier l'année à Dieu si toi-même tu ne te dédies pas à Dieu. Et ça, je vais expliquer prochainement. Si tu comprends qu'on ne va pas simplement dédier l'année, mais les gens doivent se réconsacrer à Dieu pour de nouvelles choses. Je viens donner un conseil à quelqu'un. Tu as fait des exploits l'année passée. Oublie. Tu as vu la main de Dieu l'année passée. Oublie. Tu as prophétisé l'année passée avec exactitude. Oublie. Tu as prêché avec onction. Oublie ça. Tu as eu l'argent. Toi-même tu as dit Dieu m'a béni. Oublie. Pourquoi je te demande d'oublier? Dieu n'agit jamais d'une manière décroissante. Mais Dieu agit toujours d'une manière croissante. C'est-à-dire, Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu as vécu l'année passée. Les gens qui n'expérimentent pas la puissance de Dieu, ce sont les gens qui se contentent des victoires anciennes, des exploits anciens. J'aimerais dire à quelqu'un, après avoir
Et la victoire sur les lions. Kupata ushindi juu ya simba. Ne t'arrête pas là. Usishimame pale. Ne crie pas fort. Usilalamike sana. Il y a un ours qui t'attend. Kuna ours mbele yako na. Après avoir obtenu la victoire sur l'ours. Kisha kuangusha ours. Le seve n'est pas encore à son terme. Yo seve ya ineana. Il y a Goliath qui t'attend. Kuna Goliath anakuchunga. Il y a des victoires. Kuna maushindi. Qui te fortifie. Ita inakupa nguvu. Mais il y aura des victoires. Kuna maushindi. Qui te fera connu dans tout Israël. Ile tafanya uchulikane fasi. Il y a des exploits kuna maishara qui t'amèneront à décoller une fois pour toutes. Que ça soit le cas pour toi. Na iwe juu yako wewe. Cette année, yo mwaka, que le prophète dise je n'ai jamais prophétisé. Na li aseme shi atabiria. Que le pasteur dise que je n'ai jamais prêché. Wa pastor wa aseme shi ubiria. Que le docteur dise que je ne connais rien. Wa mwalimu aseme shi. Que les musiciens disent qu'on n'a jamais chanté. Wa imbaji basema tu ya imbaka. Que ceux qui prennent des photos disent qu'on n'a jamais pris de meilleures photos. Que ceux qui prient disent que je n'ai jamais prié. C'est alors que Dieu viendra te dire, je te donne la capacité de faire 21 jours de prière. Je te donne l'onction de prêcher avec puissance. C'est la soif qui doit normalement t'accompagner cette année. Je n'ai pas une année à perdre. J'ai une année de réalisation. Je suis arrivé à tel montant dans mes affaires. C'est l'année passée. Dieu, c'est un Dieu qui aime les gens qui partent d'une dimension à une autre. Je vois des gens venir auprès de Dieu. Vous dites, Seigneur, je ne vais pas me limiter là. Ajoute. Ajoute. Augmente. Exagère. Je ne vais pas me limiter à cette dimension. Où sont les Ézéchiels qui ne peuvent pas se contenter de l'onction au niveau des chevilles? Qui peuvent dire, Seigneur, je vais avancer encore. Je vais avancer encore. Je vais avancer encore. Je vais avancer encore. Que ça soit une année de grâce pour toi. Une année de nouvelles expériences avec Dieu. Dans tous les domaines de ton existence. Lève ta main droite, déclare après. Seigneur Jésus. Jésus. Oh. Tu ne peux pas dédier une année comme ça. Tu ne peux pas dédier une année comme ça. Tu ne peux pas dédier une année comme ça. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un défi que nous lançons dans le monde des ténèbres. J'aimerais dire à quelqu'un, mets en tête une chose. La prière de dédicace, ça ne peut jamais enchanter Satan. Jamais. J'étais à la montagne le lundi. C'est le prophète Moïse qui m'a envoyé un message. C'était quoi le message? Pasteur. Pasteur. Dieu va faire. Mungu atatenda. Cette année, c'est ton année. Iyo mwaka ni mwaka yako. Mais alakini, tu auras beaucoup de combats. Utakuwa na mavita ya mingi. Je lui ai dit, frère, namuuliza ndugu, c'est toujours combat. Ipaka mavita. Il dit, Dieu m'a dit, asa Mungu ananieleza, il y aura beaucoup de combats. Utakuwa mavita ya mingi. J'ai dit, nasema, je suis un combattant. Asa miku mpikanyi wa vita. Je vais me battre. Tapika. Il n'y a pas de grande victoire sans combat. Hakuna maushindi kubwa bila vita. J'étais à la montagne. J'ai descendu à la montagne à 17h, je crois 30. Na shuka kumulima 17h30. Je crois le docteur m'a appelé pendant cette heure. J'entre dans mon véhicule. Mugari, je prends mon téléphone. Na beba simu yangu, quand j'ouvre, na wakisha tu, je vois un message tomber. Naona mujumbe mwenye. C'est quel message? Mujumbe kani? C'est le pasteur Ezra Kalonji qui m'écrit. Ni pasteur Ezra Kalonji ananiandikia. Me dit, anasema, pasteur, pastori, lis d'abord ce verset. Soma mbele yo verset. Et puis, kisha, tu vas lire le message que je t'envoie. Utasoma mujumbe. Quand j'ai lu le verset, il m'a envoyé trois. Alitumia ma verset tatu. Ça semblait un peu me troubler. Il uvuruka kaloko. Et quand j'ai lu, il dit ceci. Anasema hivi. Il y a un groupe kuna de pasteurs ya wa pastori qui sont venus me voir. Banakuwa kunyona.
pour t'accuser, pour te dire ce que toi tu as dit. Ils ont dit, tu m'as tellement critiqué et tu as parlé des bêtises. Si tu veux, viens, on va en parler en privé. Mais si tu ne veux pas, ce n'est pas un problème, tu peux rester. Je venais à peine de descendre de la montagne. J'ai dit, Seigneur, je t'ai béni, le premier combat commence. Je suis allé le voir. Il me dira, un groupe de 5 pasteurs sont venus ici. Ils m'ont dit, toi tu as dit à un autre prophète que pour le moment, quand tu invites papa, il va te donner un tarif élevé. D'ailleurs, quand je l'ai invité dernièrement, je lui ai donné son cachet. Il a refusé, il m'a retourné, il dit, ajoute l'argent. Pendant ce temps, j'étais à la montagne. Non, j'étais à Kin. J'étais à l'aéroport. J'entends dans mon esprit, Dieu me dit, envoie un message au pasteur Ezra. Je lui envoie le message. Il me dit, je suis vraiment content. Dès que tu as Lubumbashi, cherche-moi. Et le lundi, je reçois ce message. Je lui ai envoyé le message, pourquoi? Dieu m'a dit, va encore arranger que le mois de mars qu'il revient pour nous bénir. Le prophète dont on a parlé, le prophète me dit, Mukubwa, je connais le garçon là, c'est un garçon poli. Il dit, papa, moi je dis, ne fais pas ça. Dis-moi c'est quoi. Il dit, je ne connais absolument rien. Je ne connais, moi je dis, ok, j'ai dit au pasteur, quand je vais parler avec toi, tu vas aller après à Kipushi pour répondre et te justifier. Il m'a dit, si tu veux aujourd'hui même, je vais y aller. Il me pose la même question. Il dit, Moukouba, est-ce que tu crois réellement que moi je peux dire ça? Moi je dis, je te connais, tu ne peux pas dire ça. Moi je dis, est-ce que dans ton sillage, il dit, je connais un seul pasteur qui a des relations avec le pasteur Esdras, et moi aussi j'ai des relations avec le pasteur Esdras. Il coupe, il appelle les pasteurs. Les pasteurs là, le pasteur est venu, papa Esdras est allé travailler chez lui la semaine passée. Quand il termine le samedi, le même lundi, il appelle. Il dit, Tangia Leon, Joy Kwemala kwa kwanza na mwisho le mirikuya kwako. Le même groupe de pasteurs. Bana moni chatena kwa ule pasteur mwen, c'est les garçons là. Anaombaga na mabuji. Ils viendront par un chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin. Ils te tendront des pièges. Ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. Ils te donneront des breuvages mortels. Mais tu ne mourras pas. 1000 tomberont à tes côtés. 10 000 à ta droite. Amen. Tu ne seras jamais atteint. Amen. J'ai dit, tu ne seras jamais atteint. Amen. Pourquoi? Dieu t'a introduit dans une nouvelle année. Pour que tu vives de nouvelles choses. Le combat des démons est encore quelque chose. Mais le combat des humains. Je crois que vous le faites à votre perte. Dans peu de temps, commence à dédier cette année entre les mains de Dieu. Commence à consacrer pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton ministère, pour tes affaires. Frère, faites-moi entrer là. Pour tes affaires, pour tes projets, je vous en supplie. Je sens dans mon esprit la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est quelle date? Aujourd'hui, c'est quelle date?
trois, les trois, viens devant ici. Kuya kumbele huko. Je l'entends clairement. Nasikia wazi. Si quelqu'un était dans une prière, kama mtu alikuwa maombi, priant comme pour recommander l'année, eo naomba juu ya kuachilia mwaka. Je l'entends clairement. Nasikia wazi. Le trois, les trois. Je n'ai pas dit le quatre. Mais je sème le quatre. J'ai pas dit le deux. Mais je sème le deux. J'ai pas dit le premier. Mais je sème le premier. Le trois. Nasema le trois. J'entends clairement. Nasikia wazi. Dieu me dit. Mungu anasema. De cette année. Ya yo mwaka. Helaso de pashani. Helaza nano shani. Au moment où vous priez, vous devant. Je vois dans une vision. On est en train de déposer. Bague. Et une grosse bague. Et une grosse bague. Le Seigneur me dit, parmi les gens qui sont devant, il y a ceux qui ont reçu des instructions pour l'année. Ma instruction. C'est-à-dire, mon barukaburé instruction claire. Tu as donné des instructions claires. Viens ici, je vais prier pour toi. Celui qui a reçu les instructions de la part de Dieu. Celui qui a reçu l'instruction. Je parle de la prière du droit. 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 Dieu me dit, la barre que tu as vue dans des petites boîtes, ce sont des alliances. Ou une alliance que j'ai décidé. D'établir avec tout celui qui était dans cette prière. Reçois.
Consacre cette année. Consacre cette année. Consacre cette année. Dédie cette année. Dédie cette année. Dédie cette année. Dédie cette année. Est-ce que vous tous ici vous avez reçu les instructions? J'ai parlé de gens qui ont reçu une instruction particulière. C'est-à-dire Dieu t'a parlé. Si Dieu ne t'a pas parlé, ça n'aura pas d'effet. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Reçuit. Que cette huile soit changée en sang de Jésus. 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 Que cette huile reçoit la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Hélas au départ, hélas à la roche. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Dieu commence à répondre. Dieu commence à répondre. Il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui se passe. Oh Seigneur Jésus, que ta puissance, que ta puissance affecte cette huile. Que ta puissance affecte cette huile. La garoche Imanano Sadaria Barakontana Zania Ikelaso de Pashania Loke Mananu Sadadi Shadaria Usa Paya 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 Hoshete Irazone Shania Ikanano Sadabayi Sadarize. Lo Shadaria. Écoute. Skia. Ça n'a pas encore commencé. Ayanza. Laisse-moi maintenant prier. Achasasa nyobe. Et je vais te demander, tu vas ouvrir. Takurumba ufungule. Tu vas te oindre toi-même. Utanipaka we peke. Maintenant là. Sasa. Le ciel. Bingo. Va descendre sur toi. Itashuka juu yako. Fais lever ta bouteille. Pandisha chupa yako. Baisse la musique. Shusha lindanda. Baisse. Arrête, je t'en prie. Seigneur Jésus, je viens avec cette huile de mon frère et de ma soeur. Que cette huile soit changée en sang. Que l'onction du Saint-Esprit descende dans cette huile. Toute le foi qui va appliquer, qu'elle va appliquer cette huile, pour une raison ou une autre, qu'un miracle de Dieu se produise. Si c'est pour la maladie, que la guérison.
Si c'est pour le Seigneur un emploi que la porte s'ouvre. Si c'est pour les affaires que les choses marchent. Seigneur, que ta toute puissance descende dans ce tuile. Même quand Seigneur Dieu, elle va régresser dans la prière. Et qu'elle va s'appliquer ce tuile. Qui est Seigneur Dieu. Un rebondissement Dieu. Une montée dans la prière. Éternel des armées. Tout celui qui va appliquer les jours de son travail, que ce soit la modération, que ce soit la parole, que ce soit l'intercession, que ce soit au chant, que ces jours-là, le ciel, Seigneur, reconnaisse cette alliance, que ces jours-là, les anges travaillent avec lui. La Bible déclare, l'onction brise le joug. Seigneur, joug de malédiction, joug de réclamation de la famille, joug de retard, joug, Seigneur, qui pesait sur sa vie, soit brisé quand il va s'appliquer cela. Amen. Seigneur, tu es puissant, mais je te demande, entre dans cette huile et sois le maître. Et la puissance de ce tuer. Amen. Que ça ne soit pas lui à l'action, mais que ça soit Jésus à l'action. Amen. Que ça soit Jésus à l'action. Amen. Que ça soit Jésus à l'action. Amen. Ouvre ta bouteille. Verse un peu dans le bouchon, oint-toi, mets-toi sur la tête. Ngaria, kama kuku muntu kumpembe nya kwa shina na mafuta, c'est pas un problème, una muendre konae. Ne crains rien, c'est dans la présence de Dieu. Ela sada, shaki yasone. Si tu termines, ferme ta bouteille, vite fait, on veut passer à la Sainte Saint. Kama na malizi, funga chupa yako, kwa raka tutapita kumeza la Bwana. Tu viens de te oindre pour ton succès. Tu viens de te oindre pour la grandeur. Tu viens de te oindre pour les miracles. Tu viens de te oindre pour que les choses qui ne t'acceptaient pas t'acceptent. Tu viens te oindre pour un nouveau départ. Tu viens te oindre pour de nouvelles choses. Reçois cela au nom de Jésus. Tu viens te oindre pour des victoires répétées. Tu viens te oindre pour être au-dessus. Tu viens de te oindre pour que la malédiction tombe. Tu viens de te oindre pour que l'impossible devienne possible. Tu viens de te oindre pour que les maladies s'arrêtent. Tu viens de te oindre pour ta guérison. Tu viens de te oindre pour la facilité. Tu viens de te oindre pour une nouvelle dimension ministérielle. Tu viens de te oindre pour que tes yeux spirituels s'ouvrent. Je disais pour que tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu viens de te oindre pour devenir intouchable. Tu viens de te oindre pour être inébranlable. Tu viens de te oindre pour que les finances se posent dans tes mains. Tu viens de te oindre pour être en haut et non en bas. Je l'entends dans mon esprit. Tu viens de te oindre pour que les promesses se réalisent. S'il y a des femmes enceintes, tu viens de te oindre pour s'accoucher sans problème. Je l'entends dans mon esprit. Si tu étais chômeur, tu viens de te oindre pour un nouveau emploi. Didi, prends ton huile. Va à la porte où je l'entends clairement. Où Dieu veut que ce temple soit aussi loin. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Et puis, Akisha, je
vas amener tes actions de grâce. Tout ce mois de janvier, ça sera pour les actions de grâce. Tout le mois de janvier, c'est un mois de consécration. La semaine prochaine, on commence. On ne va pas changer. Lundi, mercredi et jeudi, on sera en prière. Je sais que quand on commence, toi tu vas t'absenter. Ici est présent. Le prophète héritier à son passage nous a dit: tout le mois de janvier soit consacré à la prière. Bien aimé, je viens de te dire, prends le temps en prière pour que le reste de moi tu sois victorieux. Commence à préparer ton année de cette façon. Tu verras que tu vas faire des exploits. Non seulement on voulait recevoir l'onction, je t'avais dit, la consécration, c'est établir une alliance avec Dieu. Or, la parole de Dieu renseigne, Jésus par son corps et son sang nous a introduit dans la nouvelle alliance. Or, la nouvelle alliance, c'est une dispensation de la grâce. Tout ce qu'on a fait ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est qu'une réflexion et l'intelligence dans la parole pour commencer mieux l'année. Il faut l'onction, il faut l'alliance renouvelée par le corps et le sang de Jésus. C'est-à-dire, au-delà de l'onction, tu renouvelles aussi l'alliance avec Dieu. On ne peut jamais vaincre quelqu'un qui est dans l'alliance pure de Jésus. On ne peut jamais vaincre quelqu'un qui a l'onction de Dieu. On vient de mettre à ta disposition des instruments puissants. L'onction ainsi que l'alliance de Dieu. Vous savez, les choses de Dieu sont prophétiques. Quelqu'un viendra dire: paka ile murifanya miliona mambo fulani, mambo fulani, mambo fulani. Amen. Tout ce que j'ai fait, yote nafanya, le Seigneur m'a parlé de ça. Bwana rinyeleza nayo. Et je suis béni. Je ne me rappelle pas, il y a une autre année, on a commencé comme ça. C'est-à-dire une particularité pour des choses particulières. Maintenant, écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Il dit, dis à celui qui est assis là, tu es condamné à réussir. On a Yokaba amen abango. Il me dit de t'annoncer, tu es sous condamnation de la réussite. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sous la condamnation de la réussite. Tout à oeza. Amen. Menacema tout à oeza. Amen. On n'a pas une année où on doit être perdant, on doit réussir. Je vois comment Dieu va te surprendre. Aukuwazia sema mu mars mambo avile tafika. Amen. Autawazia sema mu avril njo kile Mungu alikuchungi. Amen. Tu ne pouvais jamais imaginer qu'au mois de mai tu vas parler ailleurs. J'ai dit à quelqu'un, on va se croiser à Addis Abeba. Mimintanza kwenda ku Guatemala. We utanza kwenda ku mission wapi? Una wapi? Ku New York, ku Miami. Uya achiseme, we utenda pa kipu, c'est pas un problème. Mina sema tutakruazana na we ku Addis Abeba. Amen. Kule njo tunachanja kama correspondance. Yes. Et puis toi tu me diras, non non, bon moi je faisais juste un saut ici en Belgique. Mina chandu kwa kwa nasema, oui oui. Ah, Dieu a béni. Je suis en train de prendre mes histoires ici en Chine. Amen. Eh.
Uranza kuchunga Moïse a quoi seme Mungu anasema. Ok, mina shuka niveau ya utakruazana nae kwa aeroporti ya, ya nini, ya Luano. Wewe utaanza kwenda kukolwezi. Ye ataanza kutokea kukamina. Sasa unacheka ni utaweza kutokea kukamina, unatoka na aferi ya emio. Ah oui. Alléluia. Amen. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. 2023. C'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. Maintenant, je fais cette prière à toi. Satan, écoute ce qu'il vient de déclarer. Amen. Tu ne vas pas partager l'année avec lui. Amen. Tu n'as pas une place où tu vas introduire même ton doigt. Amen. D'un moment à l'autre, il sera blindé. Il sera puissant. Amen. Il aura le pouvoir. Amen. Commence à prier. Komba, demande à ce qui est à la table du Seigneur que l'impossible soit possible. Oh, j'entends quelqu'un dire, Seigneur, donne-moi la puissance. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, quand je vais boire ton sang et manger ton corps, Baba, que je voie des choses. Que je voie les choses surnaturelles. Seigneur, à la table du Seigneur, que la prophétie sur mon don s'accomplisse. Amen. Mungu basho se makantaona ntatabiri. Baba ifunguke. Mungu, à la table du Seigneur, fais-moi plus que vainqueur. Fais-moi plus que vainqueur. À la table du Seigneur, accorde-moi, Seigneur Dieu, ma victoire pour l'année 2023. Seigneur Jésus, hélas, Erabasha, Egela Zanania, Ekela Sonesha, Éternel des armées, Seigneur Jésus. Avant d'être livré, tu as pris le pain. Après avoir, Seigneur, rendu grâce à Dieu, tu as dit, Seigneur Dieu, ça doit être en mémoire de moi, toutes les fois que vous allez vous réunir, afin de célébrer la mort et ma résurrection. Dans ton corps, il n'y avait jamais de maladie. Dans ton corps, il n'y avait jamais les liens. Oh, ton corps, Seigneur, était saint. Jésus. Seigneur, c'est ton corps que nous voulons manger. Manifeste-toi. Manifeste-toi. J'ai l'assurance d'être sauvé. La nouvelle alliance. Éternel, que ton sang nous purifie. Il me l'a donné. Que ton sang nous sanctifie. Et je que ton suis sang nous lave. Confirme cette alliance. Au nom de Jésus. J'ai l'assurance d'être sauvé. Depuis que Jésus. Tendre éternel Père, bénissez les pas. Tout celui qui va prendre. Il y a un miracle. Qui est un miracle. Qui est un miracle? Qui est un miracle? Et je suis un miracle.
ce trône. Nous traverserons l'assurance. Au nom de Jésus. J'ai l'assurance d'être sauvé. Tu prends, tu bois. On va y aller vite. Et tu entres en prière. Tu consacres ton âme. Tu demandes que l'alliance soit renouvelée. Il me l'a donné. Et je suis à lui. Amen. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. D'être sauvé. Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle. La vie éternelle. Il me l'a donné. Et je suis à lui. Et je suis à lui. À perpétuité. À perpétuité. À perpétuité ton temps de prière. Il me séparera. Il me séparera. Tout le monde est allons.
Maria, 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 Maria